Alors, Alessandro est un personnage parfaitement fictif. C'est un des seuls de ce roman, parce que presque tous les autres sont des personnages historiques, pas tous. J'ai beaucoup joué, triché, mélangé. Alessandro, c'est une espèce de, on va pas dire un playboy, mais pas très loin. Dans le contexte, on est au XVIIIe siècle, donc. Son père est imprimeur à Neuchâtel. Alors, bon, il faut dire que Neuchâtel, l'histoire commence en 1787. En 1787, Neuchâtel est une principauté qui appartient, ça ne fait pas partie de la Suisse du tout, ça appartient au roi de Prusse, par un jeu d'héritage très compliqué. Le roi de Prusse, c'est Frédéric Ier, je crois, à l'époque, a hérité de la principauté de Neuchâtel. Il est plutôt content, ça rapporte du fric. Et les gens de Neuchâtel sont très contents parce que Frédéric Ier n'y a jamais mis les pieds, donc il les embête pas. Ils font à peu près ce qu'ils veulent, donc c'est les bourgeois qui gèrent la ville à leur idée. Et détail assez amusant, comme c'est un endroit qui est à côté de la France, ce qui est toujours le cas aujourd'hui, et parfaitement indépendant, les imprimeurs s'en donnent à cœur joie, parce qu'ils n'ont pas de censure. Donc en fait, tous les pamphlets, tous les ouvrages révolutionnaires ont été imprimés à Neuchâtel. Et ensuite, ils passaient la frontière plus ou moins clandestinement, et ils étaient vendus à travers toute la France, et particulièrement à Paris. Et bon, Jean-Jacques Rousseau était du coin. Marat, qui va faire la carrière qu'on connaît, était d'un tout petit village qui s'appelle Boudry, qui est juste à côté de Neuchâtel. Voilà, il y avait toute une quantité de gens qui se sont impliqués dans cette révolution qui allait avoir lieu donc 2 ans après le début de mon histoire. Je suis parti pour écrire ce roman. Je suis parti de ce qu'on appelle les panoramas. Le panorama, c'est quoi? C'est une peinture circulaire immense, en gros 10 mètres de haut sur 112 mètres, je crois, si mes souvenirs sont bons, de développement. Donc, dans un bâtiment qui est construit spécialement pour ça, on entre là-dedans. On est au centre du bâtiment, comme si on était à l'intérieur d'un tambour, et tout autour de soi, il y a une peinture. Donc c'est une peinture à 300, c'est une vision à 360 degrés avec une lumière zénitale. Donc ça crée une ambiance très particulière. Aujourd'hui, on parlerait d'immersion. Ce que j'ai appelé le Panthéon dans mon livre, il y a un marquis qui est un personnage fictif aussi, qui est passablement cinglé, très original, passionné d'optique. Et il a inventé, semble-t-il, le panorama. Et il va essayer de le faire réaliser avec toutes sortes de péripéties que je ne vous raconte pas pour ne pas divulgâcher, comme on dit. Voilà, donc c'est la création du panorama. Vous avez à Paris un passage des panoramas sur les grands boulevards qui s'appelle comme ça parce qu'il y avait 3 panoramas à cet endroit-là. Ça marchait très fort. Les gens payaient pour aller voir ces peintures et c'était des affaires qui étaient assez prospères, en fait. Comme je suis parti du panorama avec le premier panorama, c'est 1787. J'ai dit 1787, c'est 2 ans avant 1789. On est en plein dedans, ça va être passionnant. Et plus j'avançais dans mes recherches, plus je trouvais des éléments qui m'intéressaient. Et des gens qui ont fait des choses incroyables. Et pour moi, c'était... Alors, mon héros, Alessandro, est quelqu'un de très contemporain. Je n'ai pas cherché à imaginer ce qu'aurait pensé exactement un personnage du XVIIIe siècle. J'en ai fait quelqu'un en qui chacun de nous peut se reconnaître. Il est parfaitement immoral. Il est d'un cynisme effrayant. En même temps, je ne veux pas le dévoiler non plus, mais il va être capable de tout à fait autre chose. Mais c'est bon, pour moi, c'est un personnage moderne. Et l'époque est beaucoup plus, entre guillemets, c'est toujours un peu curieux de dire ça, mais elle est plus moderne que ce qu'on pourrait imaginer. Mon héros est, comme on dit élégamment, à voile et à vapeur, plus par opportunisme que par passion. Mais bon, du coup, ça m'a amené à m'intéresser à ce qu'était la situation des homosexuels au 18e. Pas très gays, ils sont quand même terriblement persécutés et ils doivent se cacher. Enfin bon, c'est assez redoutable en fait. Et voilà, j'ai découvert ça en faisant quelques recherches. Alessandro va être obligé de fuir la principauté de Neuchâtel à la suite d'un crime qu'il a commis de manière totalement involontaire. Donc il se réfugie, enfin il s'enfuit à Paris. Paris est une espèce de chaudron bouillonnant à 2 ans de la Révolution. Et il se dit, bon, il va y avoir de quoi faire, et son idée quand même de faire fortune ou de devenir quelqu'un d'important. Il va y réussir à moitié. Et son destin ne sera pas exactement ce qu'il avait prévu. Voilà, on peut le résumer comme ça.